lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux sur la terre. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Alléluia. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Alléluia, mon Dieu est fidèle. Alléluia, mon Dieu est grand. Alléluia, mon Dieu est grand. Il est grand pour moi. Seigneur, tu es notre secours. Sois notre secours cet après-midi. Naki Santa la Bobo la Keramason de l'Ebé. Tu es notre secours. Sois notre avocat cet après-midi, Seigneur, que toi-même tu viens circoncire les cœurs à recevoir cette parole, à recevoir le message, à comprendre le message. Circoncire les cœurs, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ma bouche maintenant à parler à ton peuple. Le Dieu de la connaissance, tu sais que moi je ne sais rien faire, je ne sais rien dire. Mais il n'y a que toi pour mettre des paroles dans ma bouche. Il n'y a que toi pour parler à ton peuple. Il n'y a que toi pour parler à travers moi. Oh Jésus-Christ, l'humanité, je bénis ton nom parce que tu es un Dieu grand. Au nom de Jésus. Ceux qui ont les Bibles, vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 13. La semaine dernière, nous avons eu le thème, c'était la saison. Et ce thème, ce jour, c'est la vigilance. Il faut que tu sois vigilant pour ne pas être distrait. Parce que si tu as choisi ta saison maintenant, que tu es dans ta saison et que tu n'es pas distrait, ta bénédiction va demeurer. La Bible nous parle de 10 vierges qui allaient rencontrer l'époux. Ils partaient rencontrer leur bénédiction. Ils partaient rencontrer leur grâce. Mais parmi ces 10, il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 qui étaient sages. Alléluia. Les sages ont pris leur huile, ils ont pris leur disposition, ils se sont apprêtés. Mais les 5 folles, elles ont pris tout à la légère. Alléluia. Ne prends rien à la légère quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de la bénédiction qui vient de Dieu, on se prépare toujours. Alors le royaume des cieux sera comme semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, à la rencontre de leur bénédiction, à la rencontre de leur grâce, à la rencontre de leur miracle. Alléluia. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. C'est le moment d'être vigilant. C'est le moment de prendre des dispositions pour ne pas que ta bénédiction te passe sous le nez. Alléluia. C'est le moment d'être prêt à rentrer dans ta destinée prophétique. C'est le temps d'être prêt à rentrer dans tes promesses. Alléluia. La Bible nous dit que les cinq folles, ils dormaient. Alors, au verset 10, pendant qu'elles allaient, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Parce que les sages se sont préparés. Au milieu de la nuit, voici l'époux qui n'a qu'un sang dans le bois, canté. Voici la nouvelle. On dit maintenant, on va commencer à embaucher les gens. On dit maintenant, il y a une loi qui vient, qui est venu, qu'on doit maintenant faire ceci, faire cela. C'est à ce moment-là que tu vas aller faire tes papiers. C'est à ce moment-là que tu vas dire que tu n'as pas de carte d'identité. C'est à ce moment-là que tu vas dire, oui, je ne suis pas prêt. Je dois aller dans mon village pour faire mes pièces. Il faut que tu fasses tes pièces. Il faut que tu te prépares. Il faut que tu prennes tes dispositions maintenant. Parce que le temps qui arrive, c'est le temps où Dieu vient nous surprendre. Alléluia.
C'est le temps où Dieu ne te prévient pas. Et puis, un coup, tu es là, on dit non, mais attends, on cherche des gens pour les embaucher, les bacheliers, les gens, les diplômés. Mais parce que maintenant, on a besoin de ça. Ce n'est pas seulement là que tu vas aller faire tes papiers. Ce n'est pas seulement là que tu vas t'apprêter. Quelqu'un va te rencontrer maintenant. Il dit, il va t'épouser. C'est à ce moment-là que tu as dit, je n'ai pas de papier. Oh. C'est à ce moment-là que tu as dit, mais je n'ai pas cela. Oh. Prépare-toi à la rencontre de ta bénédiction. Prépare-toi à la rencontre de ton miracle. Le sang de la boiscante. Parce que le miracle est en chemin. Parce que tu t'es confié à l'Éternel, le Dieu qui surprend. Alléluia. Le Dieu qui met le chemin où il n'y en a pas. Le Dieu qui vient et puis te dit, lève-toi. Parce que ton temps est arrivé pour que tu puisses maintenant voyager. Ton temps est arrivé pour que tu puisses travailler. Ton temps est arrivé pour que tu rentres maintenant dans tes miracles. Alléluia. Alors, pendant qu'elle allait, verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête à entrer avec lui au festin de noces. À la porte fut fermée. Alléluia. Elles étaient déjà prêtes. Est-ce que toi, tu t'apprêtes? Elles étaient remplies d'onction. Elles ne dormaient pas. Elles priaient. Parce que l'huile, c'est synonyme de l'onction de Dieu, la présence de Dieu, le miracle de Dieu. Elles étaient remplies, donc elles ne peuvent pas dormir. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais dès que tu mets ta tête, tu commences à dormir. Jusqu'à 7 heures, tu dors. Lève-toi, toi qui dors, parce que le miracle, ton miracle est en chemin. Lève-toi, toi qui dors, parce que le temps que Dieu avait fixé pour que tu rentres dans ta bénédiction est maintenant près de toi, proche de toi. Alors tu dois te lever, tu dois te réveiller pour prier, tu dois te lever pour parler à ton Dieu. Tu dois te dire, Seigneur, regarde, je suis dans ma saison, mais si tu es dans ta saison que tu dors, tu vas toujours dormir. Si tu es dans ta saison que tu ne fais pas d'efforts, si tu es dans ta saison et que tu ne fais pas de programme avec Dieu, Dieu va te surprendre. Et puis il va te dire, comme il a dit à ces folles, je ne vous connais pas. Quand elles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Que la porte ne se ferme pas devant toi, là sont à la deille. Et que quand tu arrives, qu'on ne dit pas, oui, il n'y a plus de place parce qu'on a déjà pris tout le monde, mais si tu as la deille. Et que quand tu arrives, on dit non, on ne peut plus signer parce que le temps est arrivé. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es encore dans le sommeil. Toi qui es encore en train de rêver. Le temps est arrivé pour que tu t'approches à Dieu. Le temps est arrivé pour que tu sois rempli d'onction. Le temps est arrivé pour que ta coupe déborde. Celle-là, elle ne dormait pas. Elles avaient l'huile. Elles avaient l'onction. L'onction de Dieu en elles. Donc, elles ne pouvaient pas dormir profondément. Alléluia. Ah oui, quand tu as l'onction de Dieu en toi, que tu es rempli, tu ne dors pas profondément. Quand il y a un petit geste, parce que Dieu va te réveiller. Mais toi, pendant que Dieu te réveille, c'est à ce moment-là que tu ronfles. Tu vas être en retard. Tu es en retard, réveille-toi. Toi qui es en train de dormir. Toi, tu penses que tout est permis. Tout est permis, tout n'est pas utile. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de remplir, être rempli d'options, être rempli de la présence de Dieu, être guidé par Dieu, être conduit par Dieu, être orienté par Dieu, être vraiment quelqu'un qui est disposé devant Dieu. Il ne faut pas que tu sois parmi ces folles. Parce que Dieu maintenant est prêt à bénir ses enfants. La vigilance, il faut que tu sois vigilante, que tu sois vigilant, que tu ne sois plus là. Les autres sont en train de travailler. Toi, tu dis, non, je vais dormir un peu dormir. Non, 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 réveille-toi. Le sommeil va te submerger si tu dors trop. Ce n'est pas le temps de dormir. On est en 2020, c'est l'année où tu dois te lever maintenant pour rentrer dans ta destinée prophétique. God, c'est l'année où le plan des méchants a échoué sur les enfants de Dieu. Ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ceux qui croient en Dieu. Je ne parle pas des païens, mais ceux qui croient, qui savent que leur Dieu est fort, qui savent que leur Dieu a déjà fait échouer le plan des méchants et que maintenant, ils vont commencer à rentrer dans leur destinée prophétique. C'est de ces personnes à qui je parle. Toi qui m'écoutes cet après-midi, apprête-toi à la rencontre de ta bénédiction. Apprête-toi pour que tu puisses rentrer maintenant avec l'époux, avec tes habits de noces, avec tes habits de fête. Alléluia! La Bible nous dit, la Bible nous parle d'Esther.
quand son peuple était malmené, c'est-à-dire les enfants de Dieu étaient vraiment malmenés, elle a jeûné 3 jours. Mais ces 3 jours, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle est allée voir le roi. Alléluia. Alors qu'on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas le rencontrer. Mais elle, dès qu'elle a fini de jeûner, elle dit, je m'en vais le voir. Elle est rentrée. Dès qu'il est rentré, elle dit, mais Esther, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est tout, moi je suis prêt à tout te donner. Alléluia. Sois vigilant et sois prêt à affronter tout ce qui peut être comme difficulté dans ta vie. Sois prêt. Elle était prête. Parce qu'elle s'est apprêtée en prière. Tu sais, quand tu es rempli, quand tu rentres quelque part, on sait que tu es un enfant de Dieu. On sait que la gloire de Dieu est en train de vraiment te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Cet après-midi, je m'adresse à toi. Tu n'es pas n'importe qui. Lord, send the bias, God. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Tu es une oint de Dieu. Alors, réveille-toi, élève-toi et affronte maintenant tout ce qui est comme difficulté dans ta vie. Va en eau profonde avec ton Dieu et ne dors plus. Ne sois plus comme les 5 folles. Elles sont allées dormir. Alléluia. Le royaume de Dieu est fort, ce sont les violents. Et je vais te dire cet après-midi, il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violente pour arracher ta bénédiction. Il faut que tu sois violent pour arracher ta grâce. Il faut que tu sois violent. Ce n'est pas en dormant qu'on va venir sonner à ta porte pour dire, ton mari est là, ton voyage est là et ta bénédiction est là. Non, il faut mériter. Si tu ne mérites pas, tu vas voir que ta bénédiction, les méchants vont arracher ta bénédiction. Elles ont dormi. Elles étaient dans le sommeil. Elles se lèvent, on dit, l'époux est là. Il y a un Dieu qui surprend, alléluia. Il ne va pas te téléphoner pour dire, demain, je vais te bénir. Mais quand tu t'apprêtes, c'est-à-dire que tu as des moments de jeûne, tu as des moments d'alliance avec ton Dieu, tu as des moments où tu communiques avec ton Dieu, il va te dire, commence à jeûner, commence à faire ceci, et puis tu obéis, alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tout. Et moi, je veux que tu sois un enfant obéissant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. On n'est pas chrétien pour être chrétien. On est chrétien quand on obéit. On est chrétien quand on marche selon sa parole. On est chrétien. Dieu nous reconnaît quand on obéit à sa parole. Alléluia. Sois vigilant. Sois vigilante. Que l'année, on est dans le 6e mois. La santé libère God. Le 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a travaillé le 6e jour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut te dire que tu es dans ton 6e jour. Là, il s'en va là. Quand Marthe est partie annoncer la bonne nouvelle à Marie, Marthe, sa soeur était dans son 6e mois. 6e mois, Dieu va t'annoncer encore une bonne nouvelle. Alléluia. En 6e mois, il y aura encore des bouleversements, des grâces sur ta vie. En 6e mois, si on ne t'avait pas embauché, on va t'embaucher maintenant. Oui, si tu cherchais du travail, dans ce 6e mois, tu vas voir qu'on va commencer à t'appeler pour dire, viens travailler. Si tu avais déposé tes dossiers quelque part, ce 6e mois va t'apporter encore beaucoup de grâce. Alléluia. Si tu devais rencontrer celui pour qui tu es là, sa côte, ou bien ta femme, ou bien ton mari, c'est ce 6e mois. Ce 6e mois, il faut que tu sois vigilant. Ce 6e mois, ne dors plus. Ce 6e mois, il faut que tu sois une femme ou bien un homme sage et que tu sois vraiment vigilant, que tu puisses connaître les saisons. À quel moment je dois me lever pour prier? À quel moment je dois demander? À quel moment je dois déposer mon dossier? À quel moment je dois maintenant entreprendre quelque chose? Alléluia! Sois vigilant. Cet après-midi, il faut méditer. Médite la parole de Dieu. Matthieu 25, à partir de verset 1 jusqu'au verset 13. Alléluia. Jusqu'au verset 13. Dieu, il est dans sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et le verset 13 dit, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La coussin dans la bouille n'a qu'elle. Tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas le jour que Dieu va te surprendre. Alors, tu dois toujours t'apprêter. Oui, un enfant de Dieu, il est toujours prêt.
un enfant de Dieu arrive quelque part, même si on doit te dire, viens prêcher, tu es toujours prêt dans la tête. Tu es toujours prêt à œuvrer pour Dieu. Tu es toujours prêt à parler de sa part. Tu es toujours prêt à consoler les gens. Tu es toujours prêt à donner des conseils. Il faut que tu sois prêt. Sois vigilant, mon enfant. Sois vigilant, mon petit enfant. Sois vigilant. Ma soeur, mon frère, sois vigilant. Il ne faut plus que ta bénédiction te passe sous le nez. Parce que tu es là, tu dors, tu penses que tout est permis, tout est utile. Non, tout n'est pas utile. Alléluia. Tous les bavardages inutiles, tu dois laisser. Tu es dans ton sixième mois. Alléluia. Dieu va te surprendre. Le consent de l'abeille. Manina Toria Nazandala, Bibio. Bibié, Bibio. Manina Sanda, Bibio. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant qui surprend ses enfants. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le premier et le dernier. Que le Seigneur soit le premier et le dernier de ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui surprend. Sois vigilant. Et que cette semaine soit une semaine où tu es réveillé. Que cette semaine soit une semaine où tu rappelles à Dieu qui se souvient de toi. Où tu es réveillé pour mettre tout au point. Alléluia. Cet après-midi, sois béni et sois vigilant. Parce que ceux-là, les cinq-là, elles ont dormi. Elles pensaient que tout était vraiment prêt. Mais non, si tu ne te prépares pas, Dieu ne peut pas te surprendre. Et je te dis encore que cette semaine, Dieu va te surprendre. Alors sois prêt à la rencontre de ta bénédiction. Sois prêt à la rencontre de ton miracle. Sois prêt à recevoir ce que Dieu a réservé dans le ciel pour toi. Parce qu'il est temps que tu rentres maintenant dans ta destinée prophétique. Que le nom de Dieu soit béni cet après-midi. Soyez bénis. Amen.